Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis à Paris, au parc de la Villette, en famille, avec ma fille de 4 ans et demi qui est fan des Égyptiens. Du coup, on est parti ici pour venir voir l'exposition de Toutankhamon. Voilà, qui aura lieu jusqu'à septembre 2019. Je ne sais plus exactement la date. Elle est très très courue. Il faut absolument que vous réserviez des billets en avance sur le site internet pour pouvoir être sûr d'y accéder. Voilà, ben je vous ferai un petit compte-rendu tout à l'heure pour vous dire ce qu'on a pensé de cette expo. En tout cas, on est très 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 pressé de la voir. Je vous ferai un petit aperçu, savoir si c'est une super idée de visite pour cet été, par exemple, en famille et surtout avec les enfants qui sont fans d'Égypte, par exemple. Et bien, tout à l'heure. Alors voilà, la visite est terminée et franchement, c'était génial. Ce que j'ai adoré, c'était pas comme dans un musée classique, vous entrez de pièce en pièce, vous observez les objets les uns après les autres. Non, ici c'est vraiment une visite qui est guidée, qui vous emmène dans l'ambiance des Égyptiens, des pharaons vraiment, avec le passage de la vie vers la mort, avec tout l'explicatif justement autour de ça. Les objets, vous allez voir, ils sont vraiment magnifiques. Une précision dans le détail, la conservation, c'est époustouflant. Et franchement, bah, ma fille de 4 ans et demi, elle a adoré l'expo. Alors bien sûr, sur la fin, elle l'a trouvée un peu longue, mais elle ne s'est pas du tout ennuyée. Vous allez varier entre objets mis en valeur avec une lumière sublime, une ambiance incroyable et des vidéos explicatives. Donc vous démarrez d'ailleurs par une vidéo vraiment immersive qui est vraiment impressionnante. Enfin bref, moi j'ai trouvé l'expo vraiment géniale. Et même pour les enfants, ma fille est sortie vraiment ravie avec des objets qui ne lui étaient jamais sortis d'Égypte jusqu'à présent. Donc c'est vraiment incroyable. Donc je dirais que dans les points super positifs, eh ben, c'est la qualité des objets que vous allez voir. Au niveau de la finition, du détail, des dorures, enfin, c'est vraiment sublime. L'ambiance aussi et la manière en fait dont cette expo raconte vraiment l'histoire du mort qui passe dans l'au-delà. Donc c'est vraiment super. Dans les côtés peut-être un peu plus négatifs, bah, c'est une expo du coup qui est vraiment hyper courue. Donc si vous pouvez y aller en semaine, même là déjà on est vendredi, c'était pas sold out, mais il y a quand même beaucoup de monde, donc c'est vrai qu'avec les petits c'est pas toujours facile de naviguer entre les gens, mais réservez bien vos billets à l'avance sur le site internet, et ensuite le prix quand même de l'entrée, parce que pour les enfants à partir de 4 ans c'est payant et c'est 18 euros et 22 euros pour les adultes. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez l'occasion d'y venir, n'hésitez pas, et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, et j'espère que cette vidéo vous aura convaincu de venir à cette expo sur les 100 ans de la découverte du tombeau de Toutankhamon. À bientôt !